I'm Hulk Hogan, the greatest wrestler of all time. We're not worthy! We're not worthy! You're a spaceman, huh? No, actually, I'm a plumber. New World Order. Honestly, I can't go anywhere without getting a boner. How you doing? I live my life. Woo! The Rock says, "Sweet baby Jesus in the office." Well, salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Vous écoutez le Wrestle Rock Podcast, émission spéciale ce soir. On revient un petit peu à nos sources, on a une émission spéciale sur qui, mon ami? Sur les Natural Disasters, en passant, content de te revoir. Yes, sir! Ça fait quoi, 3-4 mois qu'on n'a pas fait d'émission spéciale? Yes. Tu veux commencer de t'annuer, là? Je suis en co-animation avec mon ami d'enfance, Benoît Laferrère, a.k.a. Nostrada Ben, ça va bien, mon Ben? Oui, ça va. Ouais, cool. Oui, ça va. Ça va. Comme on disait, dans le fond, aujourd'hui, grosse émission sur le Natural Disaster. Alors, commençons vivement dans le sujet, mon ami. Au départ, dans le fond, l'équipe était composée de Earthquake et de Typhoon. Yes. C'est ça, de John Tenta et Earthquake, un lutteur canadien qui, après avoir fait carrière dans la lutte sumo, mm-hmm. parce que celui-là qui ne le savent pas, c'est ça, c'était un lutteur sumo à l'époque, a commencé une carrière dans le cash en 87 à la AGPW au Japon et à la NWA All-Stars. Oui, c'est ça. Son siège à Vancouver, c'est ça. C'est ça. Puis ensuite, dans le fond, ils ont rejoint la World Wrestling Federation de Vince McMahon en 1989. Exactement. Puis dans ses débuts en tant que Canadien, Canadian Earthquake, et plus tard, seulement en Earthquake, dans exactement. Le fond. Et, il était géré par The Mouth of the South, Jimmy Hart. Et puis, à l'occasion, il était le coéquipier de Dino Bravo. D'ailleurs, veux-tu en parler un petit peu de cette fameuse... comment Earthquake est arrivé dans la WWF? Comment ça s'est fait un peu? Ouais, au départ, dans la storyline, c'était un spectateur. Puis il y avait un concours de push-up entre Bravo et Warrior. Oui, c'est ça. Puis on se souvient que Dino Bravo, c'était un homme fort. Fait que, tu sais, il prenait un peu... il avait pris le plus gros gars de la salle, puis c'était Earthquake. C'est ça. Il a fait des push-ups avec Earthquake sur le dos. Ouais. Ça a bien marché. Puis une fois que c'était Warrior qui faisait des push-ups, ben l'Earthquake, il a fait le Earthquake Squash sur le dos de Warrior. Oui, puis... c'est ça. Fait que là, ben, ils sont devenus comme une équipe d'alliés, là, avec les couleurs bleu et blanc. Puis Earthquake avait un petit rouge sur son. Ouais, ouais. Des fois, il l'avait, des fois, il l'avait pas. Yes. Il était un monstre, il, d'ailleurs. Il a fait une bouchée de Hercules à WrestleMania 6. Oh oui, ça a 3 minutes. En 3 minutes. Puis sa plus grosse rivalité en solo, dans le fond, ben on se souvient de la grande carrière de Hulk Hogan. Ah, ben, oui. Il a fait partie de la liste des Monster Hill de Hulk Hogan. Ça, c'est la fiole de 90. Puis ironiquement, dans le Pro Wrestling Illustrated, il fallait que je le plug. Le most hated, ça a été Earthquake. Le most popular, ça a été Hogan. Yes. Ça se complétait bien. Quand exactement. Puis, dans le fond, en parlant de feud, ça a commencé en 90, là, en mai 90. Et puis, lorsque Earthquake a attaqué Hulk Hogan, à son insu, pendant un segment, tu sais, les fameuses petites vignettes là, de Brother Love. Ouais, là, les petites promos comme le Piper Spit. Ouais, peu. C'est ça. Puis, Et il a fait à plusieurs reprises là, tu sais, le fameux Earthquake Splash sur Hulk Hogan. Il dit squash avec ses splash. Oui, c'est ça, exactement. Et puis finalement. Hogan a récupéré de ses blessures kayfabe et s'est vengé d'Earthquake et l'a vaincu dans une série de matchs à travers le pays, en commençant par la victoire d'Hogan à SummerSlam 90, mesdames et messieurs. Et au Survivor Series 90, le fameux 4 contre 4 Elimination, Earthquake, Bravo, Aku et Barbarian contre Hogan. Big Boss Man, Jim Duggan et Tugboat, qui deviendra plus tard Typhoon. Hogan et Earthquake étaient également les deux derniers participants au Royal Rumble 91 avec Hogan comme vainqueur.
Oui, on se souvient du Royal Rumble 91. C'était un excellent Rumble. Puis ensuite de ça, dans le fond, il y a eu une rivalité contre Rick the Hammer Valentine. Jake the Snake Roberts un petit peu après. Puis un membre important, comme tu disais, Natural Disaster, c'était Typhoon, a.k.a. Fred Hartman, ouais. Qui fut formé à la lutte professionnelle par le père de Dean Malenko. Qui s'appelle, dans le fond, Boris Malenko. Hartman a commencé à lutter en tant que Siegfried the Giant en février 1985 pour la Georgia Championship Wrestling. Okay. Il a ensuite lutté pour le Texas All-Star Wrestling et la Continental Wrestling Association sous le nom de Big Bubba et non Big Bubba Rogers. Ah, on ne pas confondre avec ça. C'est exactement. Ça. Il a catché en tant que heel sous le nom de Big Steel Man de 88 à 89 à la Championship Wrestling from Florida avant de rejoindre la World Wrestling Federation au milieu de 89. Yes, et puis à la WWF, Hartman, il a incarné le personnage de Tugboat, le gros marin. Ouais, pii, ça, c'est le gros mongol qui criait. Il avait un chapeau comme la poune. C'est vrai, le pire. Puis il était en équipe avec Hogan dans ouais. Survivor Series aussi. Hein, les Megamaniacs, Ultramaniacs. Ouais. Exact. Puis son premier pay-per-view, c'était quand déjà? Ben, c'est ça, c'est justement Survivor Series 90, comme tu viens de mentionner, le fameux 4 contre 4. C'est ça. Et puis, Tugboat, il a été éliminé quand lui et Earthquake se sont battus pour une double décompte à l'extérieur. Puis Hogan est devenu le seul survivant en battant Barbarian en dernier. Ouais, tu te souviens de ça? Ouais, le Big Boat Leg Drop, comme d'habitude. Yes, puis ensuite de ça, il y avait eu aussi Tugboat, qui a été le premier rival de quelqu'un d'important, là. Ouais, contre Undertaker, je pense que c'est le premier à l'avoir à avoir été capable de le faire tomber. Dans ses premiers matchs, Undertaker, il tombait pas. Non. C'est non. Vraiment Tugboat qui l'a fait tomber en premier. Ouais. Puis il fut vaincu par le Deadman dans de nombreux matchs, entre autres, dans la période de 90 à 91, de décembre à genre mars, mettons, là. Puis Tugboat a reçu une chance pour le titre intercontinental face à Mr. Perfect à l'époque, le défunt Mr. Perfect, le 5 mai 1991 dans l'épisode Wrestling Challenge. Et puis, malheureusement, il a perdu face à Mr. Perfect. Il a perdu sa chance. Yes. Alors, on est rendu à la formation de l'équipe qui est sujette aujourd'hui, le Natural Disasters, mesdames et messieurs. Yes. Alors, lors du WWF Superstars... du 1er juin 1991, Jimmy Hart est sur le ring avec Mean Gene O'Curlan, les fameuses entrevues de Mean Gene, etc. Yes. Et Earthquake vient de vaincre un jobber. Hart dit qu'il gère les champions par équipe Nasty Boys à l'époque. Ouais. Il veut s'assurer qu'ils ne perdront pas le titre. Donc, si quelqu'un... Les deux groupes donnent les coups de bras. Ouais, les deux puants, là. Donc, si quelqu'un veut avoir sa chance pour les titres par équipe, il devra passer par sa nouvelle équipe. Yes. Puis, il dit que sa nouvelle équipe est composée d'Earthquake et de Andre the Giant. OK. Puis, dans le fond, O'Curlan ne le croit pas et dit qu'André est ici cette semaine et va l'inviter pour voir si c'est vrai. Fait que là, dans le fond, André, il se pointe au ring. André sort alors que Hart le rencontre dans l'allée. André marche avec Hart et il entre sur le ring. André regarde Earthquake qui veut lui serrer la main. André serre la main de Earthquake. Sous les huées de la foule. Fait que dans le fond, Mean Gene O'Curlan, il demande à André le géant si c'est vrai qu'il a signé un contrat avec Jimmy, The Mouth of the South, Jimmy Hart. Alors, André sourit, puis O'Curlan lui repose la question et André dit non sous les acclamations de la foule. Donc, c'était pas vrai. Ouais. C'était un escroc, Jimmy Hart. Fait que par après, André se fait attaquer par Earthquake qui blesse le genou d'André avec le mégaphone. Alors qu'il sera le premier partenaire d'Earthquake, c'est pas André. Tu te rappelles, avant, il avait sacré un genre de... Il avait quasiment pas de cheveux, puis là, André... il se lamentait à la jambe. Le monde dans Storyland de 1991 contre les Bushwalkers. À la suite de cette trahison, Natural Disaster, ils ont affronté lors de... je me suis trompé, Carlis. Deux semaines plus tard, c'est-à-dire le 15 juin 1991, il y a un affrontement impliquant les Nasty Boys et Earthquake avec Jimmy Hart contre The Bushwalkers et Tugboat. En fin de match, Tugboat fait un heel turn contre Butch. Yes. Et le jette en dehors avant de frapper Luke avec un splash. Ouais. Après, Earthquake fait son finish pour la victoire
Après le match, Turkboat fait une accolade à Earthquake et célèbre avec ses nouveaux amis. Fait que c'est à partir de là, c'est le début d'une grande aventure. Après ça, ben, dans le fond, ils ont tourné Hill. Ouais. Turkboat change son nom pour s'appeler Typhoon, ce que tu parlais tantôt. Exactement. Fait que c'est la naissance, en réalité, des Natural Disasters. Puis à la suite de cette trahison, les Natural Disasters, ils ont affronté lors de SummerSlam 91 au Madison Square Garden de New York, les Bushwalkers puis André le Géant. Qui était dans leur coin avec une béquille. Là. Ouais, une grosse béquille. Ouais. Là. Puis les Natural Disasters ont emporté l'affrontement. Mais en réalité, c'est parce qu'André le Géant était plus qu'à lutter. C'était même plus ça, la vraie réalité. Là, ouais. Fait que ça l'a permis d'avoir d'autres gros gars over au lieu du géant ferru. Là. C'est correct. C'est un bon timing pour les gars. Puis ils ont quand même, après le combat, ils ont voulu s'en prendre au gros géant. Mais ils ont été arrêtés par les Legion of Doom, hein, tu te souviens? Ben hein? Oui. Puis ça l'a amené, dans le fond, une feud entre les Legion of Doom et les Natural Disasters. Ouais. Puis la première vraiment grosse rencontre entre ces deux équipes-là, c'est au Survivor Series 91, où ils étaient opposés dans un match éliminatoire 3 contre 3 avec Big Boss Man et Natural Disasters avec IRS. Yes. Quelques minutes après que Boss Man fut éliminé par IRS, Typhoon a été éliminé en raison d'une mauvaise communication avec Erwin Chester. Suivi d'un Earthquake qui fut éliminé à son tour, laissant Legion of Doom sortir victorieux face à l'agent du revenu. Ben, c'est IRS. En fait. Yes. Puis en novembre et en janvier, Typhoon et Earthquake, ils ont défié le champion par équipe, les champions par équipe, dans le fond, L-O-B. Legion of Doom. Les Legion of Doom. Legion of Doom. On va développer ça. Ouais, c'est ça. Legion of Doom, Hawk et Animal. Qui à l'époque était-tu avec Paul Ellering? Je ne me souviens plus. Non, il me semble qu'il était tout seul. Était tout seul. Paul Ellering, je pense que c'est genre sur Massam 92, dans le fond. Hein? Ouais. Fait qu'il y a Tamato qui sont LOD. Tu sais, la chose, là. Ça a été un flop total, tant qu'à moi. Dans des house shows, mais généralement sans résultat décisif. Lors du Royal Rumble 1992, Natural Disaster. Ils ont eu leur plus grande opportunité dans la mesure où ils ont reçu une chance de remporter le titre par équipe. Et puis, les Disasters ont remporté le match par décode à l'extérieur, mais ils n'ont pas gagné le titre. OK. Là, ils ont fait un face turn un petit peu plus tard dans l'année, en février 92, dans le fond. Ouais. Ben, le gérant Jimmy Hart a amené Money Inc. au titre par équipe de la WWF alors qu'il battait Legion of Doom. Les Natural Disasters étaient outrés que leur manager ait agi ainsi dans leur dos et donnerait à une autre équipe une chance de remporter le championnat par équipe. L'explication du scénario était que Jimmy Hart a utilisé le match de retour garanti de Typhoon et Earthquake pour Money Inc. Lorsque Natural Disasters ont défié Money Inc., ils ont gagné et effectué un face turn en frappant et en congédiant Jimmy Hart. Une façon de faire le face turn, dans le fond. Ouais, c'est ça. Puis les Natural Disasters, ils ont affronté Money Inc. à WrestleMania 8, c'est ça, au Eurodome à Indianapolis, où une fois de plus, ils ont gagné le match, mais pas les titres par équipe. Ils ont encore une fois été comptés à l'extérieur du ring. Ça nous fait penser à quelqu'un qu'on connaît, hein? Miro passe son temps à l'extérieur du ring. Exactement. Typhoon et Earthquake n'ont pas laissé leur envers les arrêter, alors qu'ils ont défié les champions à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'ils les battent le 20 juillet 1992 dans un hors-show à Worcester, Massachusetts. Oui. Ils ont défendu avec succès. Avec succès. Ouais, des bloopers. Avec succès, yes. Le titre contre les Beverly Brothers à Wembley en 1992. Ah, le génie les accompagnait, tu t'en rappelles? Oh, il y avait bien un genre de poème. Les Beverly Brothers, là, il ressemblait, voyons, au gars, là, le chum à Nadine, là, qui faisait la sécurité, elle donne la CCW. Un petit peu, oui. Yes, puis... Devant 80 000 spectateurs, ils ont remporté devant 80 000 spectateurs à Wembley. Ben oui, c'est ça. Puis après ça, ben... le 13 octobre 1992 marquera, dans le fond... Money Inc., ils ont vaincu, les Natural Disasters, c'est ça? Ouais, Money Inc., ils ont perdu contre Money Inc. C'est ça, ils ont perdu contre Money Inc. Ça, c'est la fois qu'ils avaient fait un cold Brock Lodge, puis Earthquake avait abandonné, c'était évanoui. Yes. Le Million Dollar... Million Dollar Dream? Dream? Ouais, je pense que c'est... Cold Brock Lodge, ouais, Million Dollar Dream. C'est ça. C'était dans un wrestling challenge à Regina. Là. C'était pas un gros pay-per-view. Là. C'était un petit hors-show. Oh, ouais, c'est un petit show vidange. Là. Après une durée de titre de 85 jours, t'sais, rendu là, on aurait pu ne pas en parler. Pis... Bon. Non, mais c'est bon. C'était important de savoir quand est-ce qu'ils ont perdu le titre.
Et lors des Survivor Series 92, ils ont. Ils font équipe avec les petits de bras. Fait que tu peux en parler si tu veux. Ok, Survivor Series 92, ils font une équipe avec les petits de bras. Donc, salut, Nasty Boys, qui ont viré face un peu plus tôt dans la nuit. Ouais. Contre Money Inc. et les Beverly Brothers. Un 4 contre 4 avec comme Soul Survivors et Nasty Boys. Parce que ça, tu te faisais pinouille. Un membre se faisait pinouille, l'équipe t'a éliminé. Oh shit, ok. Et c'est ça. Là, c'est shit, les, hein, ça donnait c'était les. Non, mais ça devait. Ça a créé aussi des rivalités que genre tout le monde était fauché après le goût. Ah, ben sais. C'est sûr. Un peu. C'est sûr, là. Et puis. Rendu à la séparation de l'équipe. Oui, c'est ça. Parce que, tu sais, quand il y a une alliance dans la lutte, il y a toujours une séparation, finalement. C'est comme bien des histoires d'amour. Oui, c'est ça. Fait que, arrivé en 1993, mon Ben, on a senti une certaine tension dans l'équipe. En fait, je ne sais pas si tu te souviens, mais au Royal Rumble 1993, dans oui, le fond, Typhoon était entré en 21e position quand Earthquake est entré le 23e, lui, c'est ça. Hein? Ouais. Puis, il s'est immédiatement attaqué à son partenaire d'équipe, s'acharnant sur lui jusqu'à ce que Typhoon se fasse éliminer. Et puis, la feud entre les deux anciens partenaires ne s'est jamais concrétisé car Earthquake, il avait quitté la WWE ouais, il était parti en 1993. Ouais, il était parti, mais il est revenu. Si vous lisez le livre, comment ça s'appelle? Ton livre, c'est la lutte de John Tanto? Ouais, ouais. Je me souviens pas comment ça s'appelle, mais je sais que c'est John Tanto. C'est genre Maudine, je me souviens pas, mais livre Maudit, je me souviens pas. C'est un livre de Jobber, là. Maudit, comment ça s'appelle John déjà? Tanto Wrestling. Ça sera pas long. Petite image. Ça me prendrait Maudit. Pas Small World, non? Comment ça s'appelle déjà, ce Moses de livre-là? En tout cas, c'est un livre avec des jobbers. On vous le dira dans les commentaires. Oui, on vous le dira dans les commentaires. On ne vous fera pas perdre votre temps. Mais bref, toute l'histoire derrière la WWE, puis qu'est-ce qui s'est passé avec Vince McMahon et Earthquake. Puis Earthquake était revenu il y a plusieurs années après dans les ODTs. Il faisait le gros mongol, la golga, avec une bosse à la tête. Mais ça, on va parler un petit peu plus tard. Yes. Mais après qu'Earthquake ait quitté, Typhoon n'a pas resté longtemps non plus avec la WWE. Non. Il n'a jamais rien fait en solo, puis à la mi-93, il a signé avec la WCW. Il a fait ses tristement célèbres débuts en tant que Shockmaster. C'est ça. Vous écouterez les pires gimmicks qu'on a fait. Très intéressant. Puis c'est probablement la pire histoire. Ça l'a suivi tout le reste de sa carrière, je pense. Ça peut pas. La pire affaire qui ne peut pas t'arriver est arrivée à ce gars-là. Malheureusement. Ouais. C'est chiant, Marie. Ah ouais, c'est ça. Vous prendrez le temps, honnêtement, de le regarder. Dans une carrière de lutteur, tu ne veux pas que ça t'arrive, ce genre d'affaire-là, honnêtement. Non, c'est vraiment, c'est surtout dans le milieu professionnel dans lequel il était. Puis en plus, cette fameuse vidéo-là, il y a genre full du monde important là-dedans. De mémoire, il y a Bulldog, il y a Sid Vicious, Ric Flair, Sting. Puis Harlem Heat. Là, ouais, ouais, je pense que oui. En tout cas, il annonce The Shockmaster, puis là, il se pète la gueule. Flair for the gold, le talk show à Ric Flair. Il perd son casque à la tête, là, ça fait pitié, honnêtement. C'est pas de sa faute, mais c'est chiant. Non, c'est vraiment chiant. Donc là, t'es rendu à ton affaire ici. Donc, Earthquake a lutté au Japon en 93, mais est revenu en 94. Puis, WrestleMania 10, ben, il a battu Adam Bomb en 30 secondes. Ouais, c'est un squash. Puis, ben, vas-y, mon ami. Il s'est ensuite engagé dans une feud sumo versus sumo avec le gros Yokozuna, qu'on a déjà fait un spécial dessus. Vous irez le voir yes. aussi. Qu'il a gagné dans un match sumo à Raw. Il est ensuite allé lutter à la WCW, où il a d'abord lutté en tant qu'Avalanche. C'est probablement le même personnage que Earthquake, mais vu que Earthquake appartenait à WWE, il a choisi le nom Avalanche. Yes. Carlton Earthquake, c'est ça, appartenait à WWE. Puis, il est devenu The Shark. Il a finalement lutté sous son vrai nom avant de quitter la compagnie. Earthquake est brièvement revenu à la WWF en 98 sous le nom d'un lutteur masqué Golga, tu sais, le gros Cardman. Ouais, c'est ça. Puis c'est des hardities, le Golga. Ouais, puis juste avant, tu parlais dans le fond qu'il y avait eu un combat de sumo, mais c'est pas le seul combat sumo qu'il y a eu dans l'histoire de la lutte à la WWF. Ah non! On se souvient que Big Show avait fait un combat avec... Akibono à WrestleMania 21. Ouais, 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 c'était vraiment nice, ce combat-là, honnêtement. N'importe quoi, il faut reparler, hein? Ouais, ouais, exactement. Puis en avril 2001, la WWF, Tenta et Hotman sont
tous les deux impliqués dans le gimmick Battle Royale. Ben oui. Où il y a notre ami Byron Duke de Dr. Rose. Qu'on a d'ailleurs fait une émission. On vous invite à aller voir notre émission spéciale avec Duke. C'est vraiment nice. Une personne super sympathique. Et puis, d'ailleurs, on vous invite à nous suivre sur les médias sociaux. On est disponible sur Apple Music, Facebook, Twitter, Instagram, Shopify et surtout sur YouTube. Honnêtement, si vous voulez avoir du beau contenu plus rapidement, c'est à partir de là que nous, dans le fond, on met notre contenu. Le contenu exclusif, c'est le premier contenu, il est déposé là. Donc, ça vaut vraiment la peine. Continuez de nous suivre sur les médias sociaux. On est déjà rendu avec 1000 abonnés. On ne lâche pas. Belle portée aussi là, du côté des médias sociaux. On a plusieurs centaines de milliers de personnes qui nous suivent mensuellement. Donc, c'est vraiment cool. Et puis, continuons sur notre belle lancée à propos des Natural Disasters. Donc, on parlait dans le fond du gimmick Battle Royale qui s'est fait en avril 2001 à WrestleMania 17. Et puis, le commentateur du match qui était The Brain, qui est décédé maintenant, malheureusement, cependant a fait allusion à leur alliance précédente. De plus, c'est Earthquake qui a éliminé Tugboat. Fait que, tu sais, c'est le genre de feud que jamais. Hotman est revenu en Tugboat, puis Tenta est revenu en Earthquake. C'est pas Golga puis Typhoon. C'est... Ouais, exactement. Le gimmick d'origine, si on veut. C'est ça. Puis John Tenta, Earthquake, est malheureusement décédé. Tu veux-tu en parler un peu? Ouais, en 2006, d'un cancer de la vessie, malheureusement, à l'âge de 42 ans. Diagnostiqué 2 ans plus tôt en 2004, et qui ne lui laissait seulement que 20% de chances de survie, selon les médecins. Puis ça a l'air qu'il répondait pas très bien au traitement de chimio. En tout cas, probablement que le cancer était full avancé, stade 4. Ouais, j'imagine, puis il était pas super en santé non plus. Là, cancer de la vessie. Quand c'est interne de même, c'est exact. toujours bien calé, ça va au Québécois. C'est ça. Puis Fred Hartman, quant à lui, il a fait son dernier match en Tugboat le 21 novembre 2009. Il a vaincu Jason Static à la ECPW New York. Puis là, maintenant, il est à la retraite. Puis il traîne dans les Comic-Con là, qu'on voit de temps en temps. Il doit faire des podcasts. Oui. Puis probablement qu'on va l'avoir prochainement. Je ne sais pas quand, là, mais on parle de temps en temps avec lui. Là, puis éventuellement, ça serait bien chouette de pouvoir avoir une belle discussion avec M. Hotman. Donc, on se croise les doigts. Alors, merci, mon Ben. Ouais, ça fait plaisir. Yes. Alors, c'est ici que se termine notre merveilleuse émission sur les Natural Disasters. Alors, on vous invite éventuellement pour soit une prochaine entrevue, soit pour une prochaine émission spéciale. Alors, soyez des nôtres. L'action ne manquera pas. Au revoir.